Fraternellement, je salue le fils de ma mère, dont le groupe Caillou Blanc au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Soumbou, je tiens d'abord à remercier l'administration pour cette invitation afin de pouvoir vendre le bleu dans ces méga séminaires. De prime abord, je vous exhorte en disant que dans le dictionnaire inspiré de Dieu appelé la Bible, le ministère, c'est aussi la création. Parce que Dieu, dans les 6 jours de la création visible, était un ministre dans l'œuvre du ministère. Pour cela, vous constaterez, Auguste Ensemble, dans les 3 premiers jours de la création, Dieu avait nommé seulement 5 choses. Mais cependant, dans les 3 derniers jours de la création, il n'avait pas nommé les choses. En voici la preuve. Dans le 1er jour, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Voir Genèse chapitre 1, verset 5. Dans le 2er jour, Dieu appela l'étendue ciel. Voir Genèse chapitre 1, verset 6. Dans le 3er jour, Dieu appela les secs terre et il appela la main des eaux mer. Voir Genèse 1, 9 à 13. Prophétiquement, dans la situation contextuelle, nous estimons humblement en disant que les 5 choses que Dieu nomma pendant les 3 premiers jours préfiguraient aussi les 5 dons ministériels que Dieu manifesta corporellement en Christ pendant 3 ans de son ministère. Donc, les 5 choses que Dieu lui-même nomma pendant les 3 premiers jours préfigurait aussi les 5 dons ministériels que Dieu manifesta en Christ pendant les 3 ans de son ministère. Là, vous pouvez récupérer l'écriture de Luc 13, verset 31-32, même nombre 14-34. Et là maintenant, nous avons le pouvoir aussi de dire que la lumière appelée jour préfigurait Christ et Jésus dans le ministère des prophètes. Voir Jean chapitre 4, verset 19. Luc 24, verset 19, même Jean chapitre 5, verset 35. Les ténèbres appelées nuit préfiguraient Christ et Jésus dans le ministère des docteurs. Voir 2 Samuel chapitre 22, verset 11, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, Jean chapitre 3, verset 2. Jean chapitre 6, verset 45, Éphésiens 8, 23, Proverbes 25, verset 2. Les Écritures sont tellement légères. L'étendue à appeler ciel préfigurait Christ dans le ministère d'évangéliste. Parce que là, dans le 2er jour, nous voyons comment est-ce que le ciel a pour mission de séparer. C'est ça, Christ est dans le ministère d'évangéliste comme le séparateur, comme celui qui apporte l'exode. C'est ça, Luc chapitre 4, verset 16, Actes 10, 38, Jean 7, 46,
Et les sept appelés terre préfiguraient Christ et Jésus dans le ministère d'apôtre. C'est lui le véritable et sage architecte. C'est lui le dépositaire de la doctrine. C'est lui qui vient mettre des limites. C'est lui qui vient déposer la borne, la sainte doctrine. Gloire au Seigneur. Enfin, la masse des eaux appelées mères préfigurait Christ et Jésus dans le ministère des pasteurs. Hébreux 13, verset 20. C'est lui le grand pasteur. Et dans la même broderie, mon once Salomon dira dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, je prends juste la dernière partie, il est écrit que l'argent répond à tout. Cette citation, Auguste Ensemble, nous ramène aussi dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Pourquoi? Parce que quand un ange puissant posa une question difficile en disant « Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau ?» Personne n'avait répondu à cette question. C'était une question purement difficile. Personne n'avait répondu à cette question. Mais l'un des vieillards, ayant répondu à la question de l'ange puissant, c'est lui le véritable argent qui répond à tout. Parce que l'argent possède la réponse de toutes les questions. Et l'un des vieillards ayant répondu à la question de l'ange puissant, il typifie le véritable argent qui répond à tout. Et cela rime avec la citation de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, qui stipule que l'esprit sonde tout. Vous voyez? Donc, l'argent qui répond à tout s'accorde avec l'esprit qui sonde tout, qui révèle tout. Donc, l'esprit qui révèle tout, c'est le véritable argent qui répond à tout. C'est le véritable vieillard ayant répondu à la question difficile de l'ange, Auguste Ensemble. Et là, nous affirmons humblement en disant que l'ange puissant, ayant posé la question dans une foi forte, parce que l'Écriture précise dans Proverbes 5, que l'ange puissant criait d'une voix forte. C'est qu'il a posé la question dans une voix forte. Cela cache aussi un pourquoi. Pourquoi il posa la question seulement dans une voix forte? Pourquoi pas dans une voix douce? Il y a une raison, mes frères. Et dans la situation contextuelle, quand nous prenons cet ange puissant comme Dieu lui-même, là nous pouvons dire que l'ange puissant ayant posé la question dans une voix forte, c'est le type de Dieu ayant parlé des paraboles par les prophètes, depuis Moïse jusqu'à Jean. Voyez, parce que dans Jean chapitre 1, verset 23, un prophète est identifié comme la voix. Et quand vous prenez Osée chapitre 12, verset 11, Dieu a proposé des paraboles par les prophètes. Donc la question de l'ange, c'était la parabole du Seigneur. Mais cette parabole a été annoncée, publiée dans une voix forte. Cela explique comment est-ce que Dieu avait parlé dans des paraboles à travers les prophètes. Maintenant, l'un des vieillards, vous allez être d'avis avec moi, Auguste Ensemble,
Quand vous lisez le livre de Philémon, verset 9, là, Paul a identifié un ministre comme un vieillard. Il dit, moi, Paul, le vieillard. Donc, ici, nous prenons le ministre comme des vieillards. Et si les ministres sont identifiés comme des vieillards, c'est que l'un des vieillards ayant la faculté de résoudre les questions, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est identifié aussi comme l'un des ministres. Vous voyez? Mais c'est lui le serviteur le plus ancien d'Abraham. Le Saint-Esprit, c'est un ministre aussi. C'est lui qui a l'apanage de l'interprétation. Vous voyez? Donc, nous aujourd'hui, si nous interprétons, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi le bien-aimé Pierre dira, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ici, Auguste Ensemble, il est important de bien noter que nous sommes dans la dispensation des réponses à toutes les questions difficiles. Nous sommes dans une dispensation des révélations de tous les mystères, à savoir Christ. Donc, nous ne sommes pas dans une dispensation de voiler encore les choses. Nous sommes dans une dispensation de révéler, de résoudre les questions. Parce que notre salut en dépend. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vous invite respectueusement de lire d'abord la prophétie de l'Écriture que l'administration nous a donnée de résoudre. Que les saints d'Israël vous bénissent. Par la grâce de Dieu, il nous est demandé de toucher le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 25 à 29. C'est ça la portion que l'administration nous a donnée. Je vous en prie de lire cette écriture. L'Éternel te fera, je lis au nom de Jésus-Christ, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet de foi pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera des liseurs d'Égypte, des moroïdes, des galles et des teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tout le jour opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Que le Seigneur bénisse la lecture de la prophétie de l'Écriture et qu'il bénisse aussi l'entendement de tous les amoureux de la bonne parole. Par la grâce de Dieu, il nous est demandé de parler sur la prophétie des malédictions d'Israël selon Deutéronome 28, 25 à 29 pendant 3 jours. Avant de secouer le figuier, voici les sommaires de notre exposé. Dans le premier jour ou dans la première séance, nous allons toucher Deutéronome 28, verset 25, partie par partie. Dans le deuxième jour ou dans la deuxième séance, nous toucherons Deutéronome 28, 26 à 27. Verset par verset, partie par partie. Enfin, dans le dernier jour ou dans la dernière séance,
nous allons sonder Deutéronome 28, 28 à 29, verset par verset, partie par partie. Donc aujourd'hui, nous allons juste introduire le verset 25. Gloire au Seigneur. De prime abord, nous voulons toucher la définition du concept malédiction. Ensuite, nous toucherons l'origine de la désobéissance qui est la cause des malédictions selon Deutéronome 28, verset 15. Donc, dans notre exposé, nous allons le résumer en trois grandes parties. Dans la première partie, nous allons d'abord toucher la définition du concept malédiction. Dans la deuxième grande partie, nous allons toucher l'origine de la désobéissance. Enfin, dans la troisième partie, nous allons maintenant expliquer Deutéronome 28-25, partie par partie. Gloire au Seigneur. En effet, dans le dictionnaire inspiré de Dieu, appelé la Bible, le concept malédiction cache plusieurs définitions. En voici quelques-unes. Premièrement, nous disons que, d'après le livre des Galates, chapitre 3, verset 13, la malédiction est définie en deux concepts. Dans le premier concept, la malédiction représente la loi. Tandis que dans le deuxième aspect, la malédiction représente Christ crucifié. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Voyez, conformément à cette écriture, nous pouvons comprendre simplement que la malédiction est identifiée à la fois comme la loi et comme Christ est crucifié. Donc, dans cette citation de Galates chapitre 3, verset 13, la malédiction est définie en deux aspects. Dans le premier aspect, la malédiction représente la loi. Et dans le deuxième aspect, la malédiction représente Christ crucifié. Ou alors Christ pendu au bois. Parce que le Romain parlait de la crucifixion et le Juif parlait de la pendaison. Gloire au Seigneur. Dans la troisième définition, nous disons que d'après Genèse chapitre 4, versets 11 à 13, la malédiction est définie comme un grand châtiment de Dieu. Dans Genèse 4, 11 à 13, nous voyons que la malédiction est définie comme un grand châtiment de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Genèse 4, verset 11, vous constaterez que Dieu dira à Caïn que tu seras maudit de la terre. Là, c'est Dieu qui parle à Caïn, que tu seras maudit de la terre. Cependant, dans Genèse 4, 13, Caïn dira à l'Éternel que mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voyez, dans Genèse 4, 11, Dieu dira que tu seras maudit. Par contre, dans Genèse 4 et 13, Caïn dira à l'Éternel que mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ceci revient à dire que la malédiction de Dieu sur Caïn, c'était un grand châtiment de Dieu. Voyez? C'était un grand châtiment de Dieu. De la même manière, nous estimons humblement en disant que les malédictions pour Israël, décrite dans Deutéronome 28, 15 à 68,
Ce sont de grands châtiments de Dieu. Ce sont de grands châtiments de Dieu, Auguste Ensemble. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Voir Hébreux chapitre 12, verset 6. Voyez. Donc, quand Dieu châtie, il châtie son fils. Il châtie son bien-aimé. Vous voyez? Parce que Israël, Dieu reconnaît Israël comme son fils. C'est ainsi que nous voyons les malédictions décrites dans Deutéronome. Ce sont des grands châtiments. Et Israël est aussi la répétition de Caïn. Israël est aussi la répétition d'Adam. Vous voyez? Donc, Hébreux 12, 6. C'est une écriture, un témoin très éloquent pour affirmer le châtiment du Seigneur pour ses propres fils. Gloire au Seigneur. Et dans la quatrième définition du concept de malédiction, nous disons que d'après le livre de Matthieu chapitre 25, versets 41-46, la malédiction est définie comme le feu éternel. Ou comme le châtiment éternel. Pourquoi? Parce que dans cette citation de Matthieu 25, 41-46, les méchants sont identifiés comme des maudits qui iront dans le feu éternel ou dans le châtiment éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Voyez, quand vous lisez cette écriture de Matthieu 25, 41-46 minutieusement, vous allez voir comment est-ce que le méchant symbolise les maudits qui iront dans le feu éternel, dans le châtiment éternel. Et là, nous comprenons que la malédiction est identifiée comme le châtiment éternel, comme le feu éternel. Et ce feu éternel a été préparé pour le diable et ses anges. Maintenant, le méchant ira aussi dans ce châtiment éternel, dans cette malédiction éternelle. C'est par rapport à cette écriture. Gloire au Seigneur. Et dans la cinquième définition du concept de malédiction, nous disons que, d'après Galates chapitre 1, versets 8 à 9, la malédiction est définie comme la privation de la grâce de Dieu. La privation de la grâce de Dieu, source de salut. Parce que vous verrez comment est-ce que le bien-aimé Paul dira que si quelqu'un annonce un autre évangile, contrairement à ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et partant de cette écriture, nous comprenons que la malédiction est définie aussi comme la privation de la grâce, la privation du salut. Donc là, par la grâce de Dieu, nous venons de saisir la cinquième définition du concept malédiction. Et nous avons toujours dit que la liste d'une chose dans la Bible ou d'une interprétation est toujours exhaustive. Gloire au Seigneur. Dans la même perspective, nous précisons en disant que Dieu lui-même étant l'auteur des bénédictions et des malédictions. C'est très important. Il convient de préciser que notre Dieu est l'auteur, compositeur des bénédictions et des malédictions. En voici la preuve. Dans Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu lui-même dira à Abraham, à Abram, que je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Voyez? Donc, je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Partant de cette citation, nous pouvons comprendre simplement que dans Deutéronome 27, 11 à 26, le six fils de Jacob
qui devait prononcer les bénédictions sur le mot Garizim, ainsi que les 6 autres fils qui devaient prononcer les malédictions sur le mot Ebal, typifie Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même étant l'auteur de bénédictions et de malédictions. Autrement dit, Dieu lui-même est l'auteur des biens et des maux. C'est lui-même qui est l'auteur des biens et les maux, la vie et la mort. C'est lui-même l'auteur. Donc c'est lui-même le Seigneur qui représente les 6 fils sur le mot Garizim et les 6 autres fils sur le mot Ebal. C'est lui-même le Seigneur. Parce que selon Genèse 12:3, c'est Dieu lui-même qui bénit, c'est lui-même qui maudit. Vous voyez, c'est que le 6 fils sur le mont Garizim, c'est Dieu lui-même l'auteur de la bénédiction. Les 6 autres fils sur le mont Ebal, c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de la malédiction. Gloire au Seigneur. Et là, nous ajoutons encore en disant que dans Deutéronome 28, 1 à 68, c'est Moïse qui a prophétisé, qui a annoncé ces choses, qui a annoncé les bénédictions et les malédictions. Et je vous dirai, Auguste Ensemble, Moïse était Melchisedec. Moïse avait la nature de Melchisedec. Oui, frère. Parce que Deutéronome 33 explique Moïse comme le roi. Or, Moïse est sorti de la tribu de Lévi, Exode chapitre 2. C'est que Moïse lui-même possède la nature de Juda et de Lévi. C'est ça, le roi et les sacrificateurs. Donc Moïse avait la nature de Melchisedec. Et partant de cette compréhension, nous précisons, Auguste Ensemble, que Moïse, ayant prophétisé sur les bénédictions et les malédictions d'Israël dans Deutéronome 28, il représentait Dieu lui-même, le véritable Melchisedec. C'est lui-même le véritable Moïse de Deutéronome 28. Et là, le temps me manquerait pour expliquer aussi le pourquoi dans Deutéronome 28, les paroles des malédictions sont plus celles des bénédictions. Quand vous lisez minutieusement le livre de Deutéronome 28, vous constaterez que les paroles de bénédiction sont décrites dans Deutéronome 28, 1 à 14. Tandis que les paroles de malédiction sont décrites dans Deutéronome 28, 15 à 68. Vous voyez? Donc les paroles de malédiction sont plus celles de bénédiction. Ça cache un pourquoi, frère. Ça cache un pourquoi. Il y a un pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. De la désobéissance qui est la cause de la malédiction. Parce que selon Deutéronome 28 et 15, il est écrit que si tu désobéis à la voix de l'Éternel, tu désobéis à ses commandements, voici les malédictions qui te suivront. Vous voyez? Donc selon Deutéronome 28 et 15, la désobéissance constitue la cause des malédictions. Et il est maintenant important de comprendre aussi la pensée prophétique sur la désobéissance. C'est aussi important. Nous allons toujours parcourir le pays de Canaan, parce que nous évitons des interprétations particulières, c'est-à-dire des révélations sans soubassement scriptureur. Nous savons que l'interprétation véritable doit se marier avec les Écritures. Gloire au Seigneur. Et quand nous consultons notre précieux frère, Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Là, nous voyons le roi de Tyr
identifié comme un chérubin de Dieu qui était intègre dans ses voies quand il a été créé. Mais l'Écriture est allée plus loin pour dire que cet ange chérubin de Dieu avait commis l'iniquité, avait commis le péché. Mais quand vous lisez minutieusement cette écriture, d'Ézéchiel 28, 11 à 19, la prophétie ne nous précise pas le nom du péché dont l'ange de Dieu, qui devint le diable, avait commis. Dans cette écriture noir sur blanc, là, nous ne voyons pas le péché, le nom du péché, que l'ange de Dieu, qui devint le diable, avait commis. Mais quand nous consultons encore les autres frères de la Bible, c'est là que le bien-aimé Paul nous aide à donner précisément le nom du péché dont l'ange de Dieu, qui devint le diable, avait commis. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 3, verset 6, quand Paul parle sur le critère pour l'établissement d'un ancien, il dira qu'un ancien ne doit pas être nouveau converti, sinon il tombera, il sera enflé d'orgueil, qui est comme le jugement du diable. Vous voyez? Partant de cette écriture, nous comprenons, Auguste, ensemble, que le péché dont l'ange de Dieu, qui devint le diable, avait commis dans l'éternité, c'était l'orgueil. Très important. Cela veut dire que le chérubin protecteur de Dieu était enflé d'orgueil. Il a voulu être au-dessus de la parole. Il a voulu être au-dessus du Créateur. Or, il a oublié que nul est au-dessus de la parole. Nul est au-dessus de la parole. C'est pourquoi même vous remarquerez pendant la marche d'Israël, que ce soit Moïse, que ce soit tout le peuple était sous la nuée. C'est la nuée qui était au-dessus. Cela explique aussi que la parole est au-dessus de tous. C'est la parole qui est supérieure, frère. Et quand quelqu'un veut être au-dessus de la parole, il sera humilié. Le Seigneur va l'humilier. Personne ne doit être au-dessus de la parole. La parole, c'est le Très-Haut. Et quand l'ange de Dieu, qui devint le diable, a voulu être au-dessus, c'est alors qu'il a été excommunié. C'est alors qu'il a été privé de la demeure, de la résidence d'Élohim. Et partant de cela, mes frères, nous pouvons comprendre simplement que par un seul ange qui devint le diable, le péché était entré dans le royaume de Dieu. C'est par un seul ange que le péché était entré. De la même manière, par un seul homme, le péché était entré aussi dans le monde visible. C'est par un seul homme, Adam, que le péché est entré dans le monde. Romains chapitre 5, verset 12. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. De même aussi, c'est par un seul ange qui était chérubin, l'adorateur de Dieu. C'est par lui que le péché est entré dans l'éternité. Parce que nous voyons que le péché n'a pas commencé par Adam,
Le péché avait commencé par l'ange de Dieu qui devint le diable. Et ce péché qu'il avait commis, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. C'est pourquoi j'aime l'écriture de l'apôtre Jacques qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Oui, frère. Dieu déteste l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Et là, nous pouvons dire autrement que par le péché d'un seul ange, plusieurs anges ont été rendus aussi impurs. Par l'orgueil d'un seul ange, plusieurs anges ont été rendus impurs. Plusieurs anges de Dieu ont été rendus impurs. De la même manière, par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs hommes ont été rendus aussi pécheurs. C'est ça que le frère Paul affirme dans Romains chapitre 5, verset 19. De Pierre chapitre 2, verset 4. Romains 3, verset 23. Voyez. Donc ici, nous comprenons, Auguste Assemblé, après le péché de l'ange de Dieu qui devint le diable, ce dernier a été excommunié ou privé de la résidence d'Élohim, de la résidence de Dieu. De même aussi, après le péché d'Adam, ce dernier a été aussi excommunié ou privé de la plantation de Dieu, privé du jardin. Pourquoi? Parce que tel est le céleste, tel aussi est le terrestre. Donc, la scène qui s'est passée dans l'éternité a été répétée autrement dans le jardin d'Éden. Voyez, Auguste Assemblé. Donc, après le péché de l'ange de Dieu, qui devint le diable, ce dernier a été excommunié. A été excommunié. De même aussi, après le péché d'Adam, ce dernier a été excommunié. Voyez comment est-ce que Dieu répète les choses. Voyez comment est-ce que notre Dieu était répétiteur des événements. Oh, gloire au Seigneur. C'est ça, Hébreux 1.1. C'est ça, Auguste Assemblé. Et dans la même ligne, vous constaterez que quand Israël désobéissait à Dieu, ils étaient toujours privés de leurs demeures respectives. Quand vous lisez les écrits des prophètes, vous allez voir que chaque fois Israël désobéissait à Dieu, ils étaient aussi privés de leurs demeures respectives. De même, nous sommes sans ignorer que Christ est crucifié était devenu aussi malédiction pour nous, Auguste Assemblé. En d'autres mots, Christ crucifié était devenu aussi désobéissant pour nous. Christ à la croix était comme un fils indocile pour nous. C'est pour nous qu'il était comme un fils indocile, comme une malédiction, comme un homme désobéissant. C'est ainsi qu'il était aussi privé de la divinité. Pourquoi? Parce que il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça cache aussi un mystère, frère, cette question. Pourquoi le Seigneur a cité le nom de Dieu deux fois? Ça cache un mystère. C'est comme dans Matthieu 23, 37, quand il dit « Jérusalem, Jérusalem ». Pourquoi il cite Jérusalem deux fois? Ce n'est pas accidentel, frère. Ce n'est pas accidentel. Faisons très attention avec le vocabulaire de Jésus. Comme il était devenu une malédiction à la croix, il était aussi devenu comme l'œuf
de l'Autriche abandonnée. L'œuvre de l'Autriche abandonnée. Parce qu'à la croix, il était devenu aussi désobéissant pour nous. Malédiction pour nous. Et là maintenant, nous avons aussi l'amabilité de répondre à cette question du Seigneur. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je réponds en disant, c'est parce qu'il était devenu malédiction pour nous. C'est parce qu'il était devenu désobéissant pour nous. C'est pourquoi il était devenu comme un corps abandonné. Un corps abandonné. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que notre salut en dépend. Nous venons de toucher la pensée apocalyptique sur l'origine de la désobéissance. À présent, nous voulons toucher le texte de Deutéronome 28, verset 25. Parce que tous les gestes là que nous venons de démontrer, c'était par rapport à notre sommaire. Comme nous avions dit en un mot, que dans la première partie, nous toucherons la définition du concept malédiction. Et dans la deuxième partie, nous toucherons l'origine de la désobéissance. Maintenant, nous sommes dans Deutéronome 28, verset 25. En examinant cette écriture, nous précisons d'abord en disant que cette citation se résume en trois parties. Dans la partie A, il est écrit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. C'est ça la partie A. Dans la partie B, il est écrit, tu sortiras contre tes ennemis par un seul chemin et tu t'enfuiras devant les ennemis par cet chemin. Et dans la dernière partie, il est écrit, tu seras un objet de foi pour tout le royaume de la terre. C'est ça le sommaire de Deutéronome 28, verset 25. Et chaque partie cache une portée hautement prophétique qui mérite l'interprétation située dans le temps et dans l'espace. Gloire au Seigneur. Au regard de la partie A, il convient de préciser que dans la Bible, il y a plusieurs ennemis que Dieu lui-même avait suscités pour battre Israël. Quand vous lisez les Écritures, à chaque fois que Israël tombait dans le péché, dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, Dieu suscitait toujours des ennemis pour battre Israël. Mais selon le calendrier prophétique, avant Christ et Jésus, dans la chair, selon la prophétie, il y avait cinq rois ou cinq ennemis qui ont battu Israël, à savoir l'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse, ainsi que la Grèce ou Japhan. Parce que quand vous lisez Apocalypse 17, 9, on nous parle de sept montagne aussi comme sept rois, cinq sont tombés. Donc là, nous prenons ces cinq rois
avant la venue de Christ. Et ces cinq rois qui sont tombés symbolisent l'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse et la Grèce. Maintenant, du temps de Jésus, quand Jésus fut manifesté en chair, Israël était sous la domination de l'Empire romain. Donc là, la Rome comme étant sixième tête ou sixième montagne. Et là, Christ et Jésus, son arrivée, Israël croyait que lui, le Seigneur, le délivrerait entre les mains des Romains. Mais l'Écriture dit dans Jean chapitre 1, verset 11, la parole ou la lumière, Christ, est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et partant de cette Écriture, nous comprenons, Augustin Semblé, que quand Israël rejeta Christ et Jésus, le tout de Dieu, les ennemis que Dieu avait dirigés pour battre Israël dans la désobéissance, c'était la Rome païenne avec Titus en l'an 70 de notre ère. Et cela rime avec l'ainsi dit le Seigneur dans Luc chapitre 19. Versets 41 à 44, Matthieu 24, verset 3, Matthieu 23, 37 à 39, Luc 21, verset 20, les Écritures sont légendes. Donc là, nous comprenons, selon Deutéronome 28 et 25, partie A, l'Écriture stipule que l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Et nous avons ramené cela dans la prophétie du passé. Avant Jésus, c'était cinq rois comme des ennemis qui ont battu Israël. Entre autres, l'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse et la Grèce. Maintenant, du temps de Jésus, c'était la Rome comme sixième tête qui dominait sur Israël. Et quand Israël a rejeté le Seigneur, quand Israël a désobéi à la loi de Dieu, parce que Christ lui-même était à la fois la loi de Dieu, tous les commandements et toutes les lois de Dieu, c'était lui le Seigneur. C'était lui l'incarnation, l'accomplissement de tout en tous. Et quand Israël rejeta Christ et le tout de Dieu, les ennemis, selon Deutéronome 28, 25, les ennemis que le Seigneur avait suscités pour battre Israël, c'était la Rome païenne avec Titus en l'an 70. Et là, le temps me manquerait, Auguste Ensemble, pour expliquer aussi quand Salomon s'est détourné. Lorsque Salomon marcha dans le péché et tombé dans l'idolâtrie, l'Éternel avait suscité deux ennemis à Salomon. Deux ennemis. Un roi chapitre 11, 14 à 23. Lisez bien. Il y a seulement deux ennemis que le Seigneur avait suscité à Salomon. Le pourquoi des deux ennemis. Et vous devez aussi savoir que le Seigneur est apparu à Salomon seulement deux fois. C'est seulement deux fois. Et là, quand nous prenons Salomon comme le type d'Israël, c'est ça que nous pouvons dire.
que les deux apparitions du Seigneur, c'est ça les deux visitations de Dieu à Israël. Parce que Israël sera visité par l'Éternel deux fois. Voyez, nous voyons comment est-ce que Salomon parle dans Ecclésiaste 1:5. Le soleil qui se lève deux fois, mais qui se couche une seule fois. Et il vient répéter cela dans le verset 6. Il a typifié maintenant le soleil comme le vent. Comment est-ce que le vent doit visiter le nord deux fois, mais le sud une seule fois? Vous voyez? Donc ce qu'il a parlé dans Ecclésiaste 1:5, il a répété cela maintenant dans le verset 6. Parce que le vent, c'est aussi le soleil. C'est aussi le soleil, frère. C'est ça Psaume 104. C'est ça Malachie 4:2. Vous voyez? Donc, là, nous voyons comment est-ce que le Seigneur, dans sa première venue, c'est ça la première apparition à Salomon. Et sa deuxième apparition, ça sera maintenant après sa victoire dans la bataille dite Armageddon, que lui, le Seigneur, en live, il se révélera à son peuple d'Israël. Voyez, voyez la raison que l'Éternel est apparu à Salomon deux fois. Donc là, je suis dans le type de Salomon comme Israël. Et quand Salomon s'est détourné, quand Salomon commença à marcher dans le péché, il y a seulement deux ennemis que le Seigneur avait suscité. Deux ennemis. Et cela, ça peut nous ramener aussi dans Apocalypse 13. Mais je veux même enrichir cela dans la deuxième séance. Donc, nous comprenons, Auguste Ensemble, les ennemis dans la pensée prophétique de Deutéronome 28-25, nous plaçons cela comme étant la Rome païenne que le Seigneur lui-même avait permis. Lui-même, le Seigneur, avait permis que Israël, son peuple, soit battu par cette nation païenne. Et il est important de noter aussi que d'après Ecclésiaste 3:15, la prophétie est cyclique. Mais tandis que dans Habacuc 2:1-2, là la prophétie marche. Vous voyez? Et partant de cette compréhension, nous estimons humblement en disant que dans la suite des temps, après la mort de deux prophètes du Seigneur, ce dernier lui-même livrera encore Israël incrédule entre les mains des nations, a lieu avec l'impie pendant la seconde moitié de la dernière semaine de la prophétie. Voir Apocalypse chapitre 17, verset. Apocalypse 13, voulais-je dire, verset 7. Apocalypse 12, verset 3. Apocalypse 11, verset 2. Les Écritures sont les gens. Donc, cette prophétie de Deutéronome 28, verset 25, partie A, nous avons placé cela en deux temps. Premièrement, nous avons placé cela par la Rome païenne en l'an 70 avec Titus, que le Seigneur lui-même avait permis que le peuple d'Israël soit comme une maison déserte. Mais cette prophétie marche encore. Et c'est ça que nous verrons dans la seconde moitié, après la mort des témoins, cette portion de l'écriture de Deutéronome 28, verset 25, partie A,
s'accomplira encore de nouveau. Parce que nous venons de dire tantôt que selon Ecclésiaste 3:15, la prophétie est cyclique. Tandis que dans Habacuc 2, là la prophétie marche. Là la prophétie, c'est tout un homme qui marche. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Et dans l'instruction, nous exhortons aussi en disant à l'Auguste Assemblée que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, avait interprété la mort comme un ennemi. Pour cela, quand un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu est dans la désobéissance de la parole, Dieu lui-même permettra aussi que l'ennemi appelé la mort puisse toucher son propre enfant ou son serviteur. Parce que dans Deutéronome 28, verset 25, il est dit, l'Éternel te battra par, te fera battre par tes ennemis. Donc, quand un enfant de Dieu ou un serviteur vit dans le péché, Dieu est capable de te livrer à la mort, appelé l'ennemi. C'est pourquoi nous devons rechercher la sanctification. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous venons de toucher la partie A de Deutéronome 28, verset 25. À présent, nous touchons la partie B. Dans la partie B, l'Écriture stipule que tu sortiras. La deuxième partie, la deuxième personne du singulier ici, c'est Israël. Israël qui sortira contre les ennemis par un chemin et il s'enfuira devant les ennemis par sept chemins. Gloire au Seigneur. Contextuellement, nous faisons remarquer préalablement à l'Auguste Assemblée qu'il y a deux mouvements dans cette citation. Dans le premier mouvement, il y a Israël qui sortira contre les ennemis par un chemin. Dans le deuxième mouvement, il y a Israël qui s'enfuira devant les ennemis par sept chemins. C'est ça les deux mouvements de cette écriture de Deutéronome 28, 25, partie B. Alors, selon le premier mouvement, nous précisons d'abord en disant que, d'après le frère Jean 14, 6, un seul chemin représente Christ lui-même. C'est lui le véritable chemin resserré, c'est lui la porte étroite, c'est lui le royaume de Dieu. Parce que le chemin, c'est aussi une porte. Le chemin, c'est toute une personne. C'est Christ et Jésus, le chemin par excellence. Car il a dit dans Jean 14, 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Très important, il a cité que trois choses. Le chemin, la vérité et la vie. C'est aussi une manière de dire que je suis Abraham, Isaac et Jacob. Je suis. Il n'a pas dit que nous sommes le chemin. Je suis le parvis, le lien saint et le saint des saints. C'est lui seul. C'est Jésus lui-même qui est la foi, l'espérance et l'amour. C'est ça le chemin, la vérité et la vie. La foi, c'est un chemin, frère.
L'espérance, c'est la vérité. La vie, c'est l'amour. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et là, quand l'Écriture précise un seul chemin, cela représente Christ lui-même étant le seul Dieu, l'unique Dieu. Parce que Paul confirme l'unicité de Dieu, la divinité de Christ, dans 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 6 à 7. Et quand vous prenez aussi Éphésiens, chapitre 4, verset 6, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, Jacques, chapitre 2, verset 19, les Écritures sont les gens, Auguste, ensemble. Donc, selon cette Écriture, nous précisons que le chemin, c'est Christ d'abord. Maintenant, quand Israël rejeta Christ et Jésus, en réalité, ils avaient rejeté le Créateur manifesté en chair. Ils avaient rejeté l'éternité manifestée dans le temps. Ils avaient rejeté les trônes ambulants, les ciels ambulants, les tabernacles en live. Israël avait rejeté l'arbre de vie. Voyez. Et le peuple d'Israël, qui devait sortir contre les ennemis par un chemin, préfigurait Israël qui était en guerre contre la Rome païenne en l'an 70. Par l'ainsi dit le Seigneur. C'est par l'ainsi dit le Seigneur. Donc, quand l'Écriture dit, tu sortiras contre tes ennemis par un chemin, c'est une manière de dire que tu seras dans le combat, tu seras en guerre contre tes ennemis par l'ainsi dit le Seigneur, par la volonté du Seigneur. Parce que le chemin, c'est le Seigneur. Et vous, constaterait dans Luc 19, 41-44, le Seigneur avait déjà prophétisé comment est-ce qu'Israël serait environné par des armées dont le Seigneur avait déjà annoncé la guerre qui devait venir. Et là, nous voyons en l'an 70, l'armée romaine avec Titus qui s'éleva contre Israël. Or, cette guerre-là, ce n'était que l'accomplissement de l'ainsi dit le Seigneur. C'était l'accomplissement de l'ainsi dit le Seigneur. Donc, quand nous voyons Israël qui sort contre ses ennemis par un seul chemin, cela explique le combat d'Israël contre la Rome païenne. Là, je suis dans la prophétie contre la Rome païenne en vue de l'accomplissement de l'ainsi dit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, nous constatons, Auguste Assemblée, que dans Deutéronome 28, 25, partie B, le Seigneur lui-même est l'auteur de la guerre d'Israël contre ses ennemis. Et dans la marche prophétique, nous avons démontré les ennemis qui se sont levés contre Israël après Christ et Jésus, c'était la Rome païenne. Et dans la suite de temps, après la mort des deux témoins, ça sera maintenant les nations, les 10 rois avec l'impie qui se lèveront aussi pour dépouiller Israël. Voyez, et ce foulement d'Israël au pied, ça sera toujours selon la volonté du Seigneur. Donc Israël sortira pour combattre, mais ça sera selon la volonté de Dieu. Souvenez-vous de Roboam, quand il rejeta ce que les anciens ont proposé, l'Écriture dit, c'était en vue de l'accomplissement
de la parole que le Seigneur avait prononcée par le prophète Akija. Donc quand Jéroboam rejeta, ce n'était pas par sa propre volonté. C'était pour l'accomplissement de la parole de Dieu. De la même manière aussi, quand Israël en l'an 70 est sorti pour combattre la Rome païenne, ce n'était pas par leur propre volonté, mais c'était par le dessein de Dieu. Parce que l'Écriture dit, n'est-ce pas que de la volonté de Dieu que viennent le bien et le mal? C'est lui-même qui est le metteur en scène. C'est lui-même l'auteur de toutes choses. Il est l'auteur de tout. Il est tout et en tous. Oui, frère. Aucune chose ne peut arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est lui qui permet toutes choses. Oui, frère. Donc, ici, nous voyons dans le premier mouvement de Deutéronome 28, verset 25, le premier mouvement qui stipule que tu sortiras contre tes ennemis par un seul chemin. C'est-à-dire, Israël devait être maintenant en guerre. Les ennemis, là, dans le sens prophétique, nous avons touché la Rome païenne. Et dans la suite du temps, comme étant les nations, les 10 rois. Vous voyez? Donc, le combat d'Israël, et je dirais même, tout ce qui se passe aussi là-bas en Israël en ce net moment, ce ne sont pas des choses au hasard. Le Seigneur est derrière sa parole. Parce que tant que Israël ne reconnaisse pas le véritable évangile, tant que Israël demeure dans l'endurcissement, ce dernier ne sera jamais en paix. Parce que la paix a un nom. Et le nom de la paix, c'est Christ et Jésus. C'est Christ et Jésus. Voyez. Donc là, nous avons compris par la grâce de Dieu la sortie d'Israël contre les ennemis par un seul chemin. Et là, Matthieu 24 aussi s'accomplit. Comment est-ce que le Seigneur aussi avait annoncé qu'un royaume s'élèvera contre un autre royaume, une nation, contre une autre nation. Et nous avons vu en l'an 70, cette portion de l'Écriture aussi s'est accomplie. Comment est-ce que la Rome païenne s'éleva contre Israël? Et cela était pour l'accomplissement de l'insidie, le Seigneur. Gloire à l'agneau. Maintenant, au regard du deuxième mouvement, de Deutéronome 28, verset 25, partie A, qui stipule que Israël s'enfuira devant ses ennemis par sept chemins. Gloire à Jésus. Il devait d'abord sortir contre ses ennemis par un seul chemin, nous venons d'expliquer. Et dans le deuxième mouvement, il est dit, il s'enfuira devant ses ennemis par sept chemins. Gloire à l'agneau. Conformément à ces mouvements, nous précisons d'entrée de jeu en disant que dans le dictionnaire inspiré de Dieu, appelé la Bible, le chiffre 7 cache plusieurs significations. Et quand nous appelons un frère, un précieux frère, Salomon, dans Proverbe 6, 31-32, nous voyons que le chiffre 7 représente un chiffre de tout, ou un chiffre de la totalité. Voyez, et partant de cette compréhension, le frère Paul, que j'aime beaucoup, dans Colossiens chapitre 3, verset 11, nous révèle que Christ est tout en tous. Voyez, Christ est tout en tous. Colossiens 3, 11. Et il ajoute aussi dans
dans Colossiens 1, 17, dernière partie, là où il dira que tout a été créé par lui et pour lui, c'est que le chiffre 7 étant la totalité selon Proverbe 6, 31, 32, c'est toute une personne. Parce que Christ est tout en tous. C'est que c'est lui le véritable chiffre 7. Et quand nous parlons de sept chemins, cela explique Christ Jésus étant le tout de Dieu. Voyez, les sept chemins, c'est Christ et le tout de Dieu. Mais un seul chemin, c'est Christ et l'unique Dieu, le véritable Dieu. Voyez, maintenant, quand l'Écriture dit que Israël s'enfuira devant les ennemis par sept chemins, qu'est-ce que cela veut dire? Nous disons ceci, Auguste, ensemble, par la grâce de Dieu, que la fuite d'Israël devant les ennemis par sept chemins préfigurait la désolation d'Israël devant les ennemis par la volonté du Seigneur lui-même étant l'auteur de tout. C'est la désolation d'Israël. La fuite d'Israël, c'est la désolation d'Israël. Et cette désolation, nous avons vu cela en l'an 70. Israël était dans la désolation. Israël était dans la disgrâce devant la Rome païenne. Et cette désolation était en vue de l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. C'est par suite du rejet de Christ, le tout de Dieu. C'est lui, le tout de Dieu, qui avait permis la désolation, la disgrâce d'Israël. C'est lui qui était l'auteur. Voyez, parce que c'est lui qui est tout en tous. Et comme ils avaient rejeté le tout de Dieu, le véritable tabernacle, le tout de Dieu, en l'an 70, ils étaient dans la désolation. D'ailleurs, le Seigneur l'avait déjà parlé dans Luc 21, 20. Quand il dit « Jérusalem sera dans la désolation », il annonçait déjà la fuite d'Israël devant ses ennemis. C'est ça que nous voyons. La première désolation d'Israël en l'an 70. Et cela n'est pas tout. Après la mort de Désoin, nous verrons aussi le foulement d'Israël, la désolation de nouveau d'Israël par les 10 nations alliées avec l'impie. Voyez comment est-ce que la prophétie marche. Voyez ce que c'est la privation de la grâce de Dieu. Et là, nous sommes dans la prophétie. Mais dans la doctrine, nous devons aussi tirer une leçon, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Quand quelqu'un tombe dans la désobéissance, le Seigneur peut le livrer. Le Seigneur est capable de le châtier. C'est pourquoi un enfant de Dieu, moi j'ai toujours dit, ne peut craindre Dieu que celui qui le connaît. Vous savez, dans Exode 5, Hérode pouvait dire à Moïse et Aaron, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse? C'est que ne peut obéir à l'Éternel que celui qui le connaît. Toi qui connais l'Évangile éternel, toi qui connais la grandeur de Dieu, fais attention, mon frère. Recherchez la sanctification. Parce que comme tu connais, plus tu connais, quand tu tombes dans la vie des péchés, le Seigneur va te châtier terriblement. Et David savait à qui il avait affaire lorsqu'il a écouté l'interprétation de la parole, parce que la parole révélée amène toujours les gens à la repentance. Dans 2 Samuel 12, quand Nathan parla dans un langage parabolique, David n'avait pas saisi. Mais quand Nathan interprétait, David dira, j'ai péché contre l'Éternel. Mais comment les gens sont contre l'interprétation?
La révélation de la parole amène les gens à la repentance. C'est par la révélation que Nathan va amener David à la repentance. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché la révélation de la parole. Et les gens, 3000 étaient vivement touchés. Frère, la révélation touche le cœur des élus. Touche le cœur des élus, frère. Et je suis convaincu que quand je suis en train de parler en ce net moment, les fils du royaume sont dans la joie. Un enfant du royaume, s'il était dans le péché, il serait interpellé. Il va dire, « Oh Seigneur, je péchais contre toi. » C'est à l'Éternel que nous avons affaire. Si réellement nous recevons la connaissance véritable, nous devons craindre Dieu. Il est capable de tout, frère. Il est l'artisan de notre destinée. Il est le garant de notre futur. Craignons le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc là, Auguste Assemblé, nous venons de comprendre le deuxième mouvement de Deutéronome 28, 25, partie B. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Quand tu es quelqu'un dans la maison divine, il sera toujours ivre, mon frère. Mais malheur à ceux qui ne supportent pas de voir la nudité de Noé ivre dans la tente. Parce que je suis comme Cham qui annonce ce qu'il a vu. Je suis en train d'annoncer seulement ce que moi je vis. Si je vis la nudité, c'est ça que je veux annoncer. Je ne cache rien. C'est ce que je vis, c'est ce que j'annonce. L'apôtre Jean a dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Parce que le ministère, c'est l'œil et l'oreille. Nous annonçons un évangile audiovisuel. Ce que nous avons vu et nous avons entendu. Nous prêchons la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. C'est ça. Juge 14 et Juge 16. Gloire au Seigneur. Nous venons de saisir par la grâce du Seigneur le deuxième mouvement de la fuite d'Israël devant ses ennemis par sept chemins. Nous venons de comprendre cela par la grâce de Dieu. À présent, nous voulons conclure notre exposé en touchant la dernière partie de Deutéronome 28, verset 25, qui stipule que Israël sera un objet de foi pour tout le royaume de la terre. L'Écriture n'a pas dit pour le royaume de la terre, mais pour tout le royaume de la terre, s'il vous plaît. Dans la situation contextuelle, nous précisons d'abord en disant à l'Auguste Assemblé que dans la prophétie du passé, il y a quatre royaumes de la terre qui ont effrayé Israël, à savoir Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Et ces quatre royaumes cachent plusieurs connotations dans les Saintes Écritures. Quand vous lisez dans Daniel 7, ces quatre royaumes sont identifiés comme quatre animaux. Dans Joël 1, les quatre royaumes sont identifiés comme quatre insectes, comme l'armée de l'Éternel. Ces quatre royaumes dans Daniel 2, sont identifiés comme les quatre parties de la statue. Dans Zacharie 1, 18, ces quatre royaumes sont identifiés comme quatre cornes qui ont dispersé Israël. Vous voyez? Et dans Job, nous voyons quatre événements qui ont rendu Job dans la pauvreté. Vous voyez? Donc, dans la Bible, les quatre royaumes de la terre, c'est pourquoi dans la prophétie, il est dit, tous les royaumes de la terre
Attention avec le tout de la Bible. Selon la prophétie, tous les royaumes de la terre ici, nous voyons seulement quatre royaumes. Parce que Daniel 7, 17 explique que quatre royaumes, quatre animaux comme quatre rois. Mais quand vous prenez Daniel 7, 21 à 23, nous voyons maintenant le quatre rois représentent quatre royaumes. C'est que quatre animaux sont identifiés comme quatre rois ou quatre royaumes. Voyez, c'est ça que nous comprenons, que dans la prophétie du passé, il y a quatre royaumes qui ont effrayé Israël, qui ont malmené Israël. Et dans la prophétie du futur, parce que dans la prophétie, nous avons aussi le futur proche et le futur lointain. Nous avons la prophétie du passé, la prophétie du présent et la prophétie du futur. Parce que nous savons que la prophétie n'a que trois jours, entre autres hier, aujourd'hui et demain ou éternellement. C'est ça, Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même. Est le même. Jésus-Christ est le même. C'est ça, Christ et Jésus, le véritable léopard. C'est Christ et Jésus, un Dieu immuable. C'est ça le corps embaumé. C'est ça, Jacob embaumé. L'évangile incorruptible. Jésus-Christ le même. C'est l'évangile incorruptible. Le corps embaumé. Il est le même hier. Yeah. C'est ça la dispensation du matin. Hier, c'est le dos. Aujourd'hui, c'est la face de Dieu. Éternellement. C'est ça. Les siècles à venir. Le temps après l'enlèvement. Jusqu'à l'éternité. Gloire au Seigneur. Donc, nous comprenons, Auguste Ensemble, que dans la prophétie du futur, les 10 cornes alliées avec la bête, avec l'impie, seront là aussi pour effrayer Israël. Israël incrédule sera un objet de foi pour dures nations alliées avec l'impie. Mais dans l'ombre, c'était les quatre royaumes qui ont effrayé Israël, selon la prophétie. Mais il y avait plusieurs royaumes, selon la Bible, qui ont effrayé Israël. Donc Israël avait une grande crainte. À l'instar, 1 Samuel 17, nous voyons le Philistin, le géant Goliath, qui effrayait Israël. Vous voyez? C'est ça que nous disons aussi. Quand un enfant de Dieu est dans le péché, il sera ainsi un objet de foi devant les démons, devant les occultistes. Mais quand un enfant de Dieu est dans la sainteté, dans la pratique de la parole, le Saint-Esprit est en permanence. Il sera toujours fort. Le Saint-Esprit va le fortifier. Le Saint-Esprit va ôter la peur en lui. Il sera comme Noé avec ses fils. Parce que dans Genèse 9, le Seigneur dira à Noé et ses fils, vous serez un objet, un sujet de foi devant tous les animaux. Et quand nous prenons 1 Corinthiens 2, 14 à 15, Paul explique aussi un animal comme un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, l'homme animal. C'est que quand un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, la crainte de Dieu, il sera un sujet de crainte devant les païens, devant les occultistes, les francs-maçons, ce sont des animaux. Mais comment toi tu es un homme, tu as peur d'un animal? C'est parce que tu n'as pas la vie de sainteté.
Quand quelqu'un a la vie de sainteté, il y a une assurance, une confiance qui monte dans son cœur. Même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a rien dans sa poche, mais il sent comme s'il a beaucoup d'argent dans la poche. La sanctification augmente l'assurance dans l'homme, augmente la confiance dans l'homme. Frère, je sais que les gens qui marchent dans la sainteté comprennent ce que Jésus est en train de dire. Comprennent cela. Même si tu n'as rien, même si tu traverses des moments de vaches maigres, mais quand tu vis dans la sainteté, tu sens en toi toujours l'espérance en toi. L'espérance ne trompe jamais. Et je te dis, mon frère, ma soeur, garde toujours la sainteté. Le Seigneur de gloire pourvoira. Il ne te laissera jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Donc ici, nous descendons déjà dans l'exhortation pour dire, mon frère, que quand tu vis dans la désobéissance, tu deviendras aussi un objet de foi. Dans la prophétie, nous voyons comment est-ce qu'Israël, en l'an 70, était un objet de foi devant la Rome païenne. Et après la mort des deux témoins, Israël dans l'incrédulité, Israël incrédule sera encore un objet de foi devant 10 nations. Et si nous ramenons cela par rapport à notre vie, nous disons, frère, quand tu marches dans la crainte de Dieu, le Seigneur te fortifiera toujours. Et moi, je décrète et je déclare que Dieu, qui a fait du bien, qui a fait du bien à Abraham, à Isaac et à Jacob, qui te fasse aussi du bien. Comme dans Actes 10, 38, il est dit, il allait de lieu en lieu, de village en village. Quand il marchait de lieu en lieu, c'était pour démontrer que c'est lui aussi l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Parce que les eaux, c'est aussi le monde. C'est lui qui allait de lieu en lieu. Le véritable évangéliste, le faiseur du bien. Et je prie que ce soir, que le Seigneur te fasse du bien. Si tu étais malade, je déclare et je décrète ta guérison au nom de Jésus-Christ. David a fait du bien à Mephibosheth à cause de Jonathan. Que le Seigneur te fasse aussi du bien à cause de Jésus-Christ, le véritable Jonathan. C'est à cause de Christ que le Seigneur nous fait du bien. Et je prie que le Seigneur te fasse du bien. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Auguste ensemble. Je suis presque à la fin de mon message. Comme j'avais annoncé au début, qu'aujourd'hui, nous allons toucher juste le premier verset, le verset 25 de Deutéronome 28. Si Dieu le veut, demain, nous allons toucher le verset 26 et le verset 27. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de la Bible vous couvre par sa puissance éternelle. Que Dieu localise tous les membres des cailloux blancs au nom de Jésus-Christ. Amen.